Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Et coucou les amis, c'est Nouveau Crime, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la découverte du pack à la fac. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'avais, voilà, une des nouveautés de ce pack, je veux dire la nouveauté, le pack entier ne tient que sur ça, c'est le crac-crac dans la douche. Enfin je veux dire, c'est, voilà, moi personnellement la seule chose que j'ai retenue des trailers, des machins, c'est le crac-crac sous la douche. Donc vous me connaissez, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, j'allais le tester. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voilà, oui. C'est une vidéo entièrement consacrée au crac-crac sous la douche. Non, mais c'est bien parce que comme ça, ça montre aux devs qui bossent pas pour rien, tu vois. Les mecs, ils rajoutent une nouveauté. Faut leur montrer quand même que ça a un impact sur notre gameplay, sur... Voilà, donc on va... Bon, voilà. Allez, on est parti. Alors pour ce petit test du crac-crac, on va faire ça en deux étapes. On va déjà aller tester le crac-crac sous la douche en lui-même. Et puis on va voir avec quelle douche ça marche et quelle douche ça ne marche pas. Oui non mais c'est important parce que quand on fait une étude scientifique comme ça, il faut aller jusqu'au bout des stats et tout ça, voilà. Pour ce petit test, j'ai donc fait appel à ma SimSelf. Hein. Oui, non, bah oui. C'est-à-dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette tête, ma chérie? Souris? Non, souris pas. Voilà, bon, si. Enfin, bref. On faudra qu'on aille t'arranger un peu, moi. Et bon, Don n'était pas dispo, hein, il était un peu occupé. Donc, j'avais ça, hein, qui traînait un peu dans la galerie. Hein, et du coup, je... Bonjour. enchantée, Marjorie. Voilà, j'avais ça qui traînait dans la galerie et je me suis dit que c'était un peu l'occasion, quoi. Hein, voilà. Il savait pas quoi faire, moi j'avais besoin de quelqu'un. Voilà, on s'est arrangé entre nous comme ça. Allez, let's go. Alors, première étape, trouver une... ça commence mal. J'ai pris la seule baraque où il n'y a pas de douche. Voilà, donc je suis pragmatique, hein. Je viens à la baignoire, je mets une douche, hein. On est d'accord? Voilà, ça va être mieux. Allez, bah faisons crac-crac. Ah oui, il s'appelle Jimmy. Bonjour Jimmy. Là, au début, somme toute, j'imagine comme d'hab, viens, on va faire crac-crac. Il est d'accord, c'est déjà pas mal. Ah, c'est moi qui propose, mais il voulait pas vous déshabiller avant, non? Ok. Ça fait bouger du rideau, oui, bien sûr. Quoi, je regarde, c'est pour la science. Hein? Alors, ça bouge du rideau, hein, mais pas non plus, c'est pas voilà, c'est pas comme dans le placard ou dans le jacuzzi. C'est long. Ouh, feu d'artifice. Alors, moi j'aime bien voir leur tête après aussi, parfois c'est marrant. Ah bah écoute, ils ont l'air contents tous les deux. C'était sympathique. Allez, donc maintenant on va passer à la... Maintenant qu'on a vu un petit peu exactement ce que c'était, on va pouvoir passer à la deuxième étape du test. On va tester qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et je vous fais après un petit récap des douches pour lesquelles ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien voir ce que ça donne dans les douches baignoires. Voir si ça change quelque chose ou pas. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Ah, quand même, ils sautent, hein. Oui, bon, bien sûr. Oh, ils ont disparu. Transformé par un nuage de vapeur. Il y a juste l'entrée dans la baignoire qui est différente de par rapport à la douche traditionnelle, mais sinon, ça a l'air d'être pareil. Ouh, feu d'artifice. Il est bien, ce gym, il est bien. Efficace, pas cher. Ouais, comme à la MAF, ouais. Voilà, ok, allez, continuons. Et donc, j'ai fait un rapide test de toutes les douches du jeu et les deux seules dans lesquelles il n'est pas possible de faire crac-crac. Ce qui semble plus ou moins logique quand même. C'est effectivement la douche d'île paradisiaque, donc la douche de Sulani, parce que bah, il n'y a pas de mur. Et pareil pour la douche en fait qui vient avec ce pack là, qui en fait est juste un robinet qui sort du mur. Du coup, bah, le même problème, hein, comme c'est une espèce de douche à l'italienne, mais sans cloison. Eh ben on ne peut pas. Voilà, donc sinon j'ai testé, oui, une par une, toutes,
toutes les autres douches à part ces deux-là fonctionnent. Vous pouvez faire crac-crac dans toutes les douches sauf celle-là. Voilà. Écoutez, c'était une vidéo qui se devait d'exister, hein, qui c'est important, voilà, de faire des expériences comme ça. Massimset a bien aimé, hein, moi Jimmy aussi, hein. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, et on se retrouve pour d'autres vidéos peut-être un petit peu plus sérieuses. Allez, ciao les amis.